Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Phoenix Rising Immortal. Ça serait pas mal comme titre, hein. Mais bon, c'est Immortal, Phoenix Rising. On est parti pour la nouvelle zone. Donc, la dernière fois, on avait fini l'antre de la guerre. On avait fini l'antre de la guerre, on a fait un peu de Tartare. On est mort bêtement à un moment, mais c'est pas grave. Mais on a fait un peu de Tartare aussi, on a défoncé deux boss. Bien. Maintenant, on va aller au pic du roi. Donc, pour aller au pic du roi, j'en sais strictement rien comment on fait. Il y a des ponts. Là, je vois deux ponts, même trois ponts en fait. Donc, pourquoi pas. On va se téléporter à la colline du gardien. On va voir un peu comment ça se passe. On va sûrement avoir une cinématique ou un truc comme ça. Sinon, on peut voler, honnêtement. Je suis sûr que ça marche. On va voir un peu ce qui se passe. On va voir un peu comment ça se passe. Est-ce que c'est là le pont? Non, c'est pas là. Attends. Non. Ah, là, ok, il y a même... Hop, il y a plein de ponts, en fait. Alors, est-ce que... Genre ça, je sais qu'il est cassé, mais est-ce que on va avoir, genre, une cinématique, un truc... Oh, un Pégase doré. Gardien. Durant l'âge d'or, la paix, la prospérité, l'harmonie régnaient. Les gardiens devenus rares protégeaient cette paix. C'est un Pégase en or. Si on changeait un peu... non, non. J'aime bien en fait le paragon. C'est un cheval normal, mais avec une armure et tout. Bon, après, on a le cheval chinois, mais. Bref. On a compris quoi. Du coup, gardien, tu peux voler ou pas? Bon, j'imagine que ça veut dire non. Je sais qu'il y avait cristal d'adamante au-dessus, on s'en fout. Hein. Bon. Bon, bon, bon. Tiens, on va aller là. J'ai envie un peu de regarder les différents ponts. Peut-être qu'il y a des choses encore à capturer, des trucs comme ça. Là, c'était un peu au hasard. Alors, par là-bas. Ah, le cristal rouge! Coffre qu'on a ouvert. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On va à un sommet et on plane? Pas pris la plante, bon, c'est pas grave.
Bon bah go hein. On est quand même venu récupérer le cristal qui nous sert à rien. Ça fait plaisir. Alors, peut-être de là-bas là. C'est quoi ce qu'on regarde là? Tu peux sauter ça? Non, pas sauter ça. Oh oh oh! Qu'est-ce que tu fais le cheval? Il y a un griffon en haut, mais ça m'étonnerait que ça soit... M'étonnerait que ce soit un boss. Non, c'est normal ça. Oui, il y a des potes en plus. Bon. Bah tiens, en plus il y a un coffre juste là. Bon, on y va, hein. Il y a plein de trucs partout. Let's go. La ligne droite, là, c'est bon. Là. Nickel. Oh, c'est grand quand même. Tout ce temps, j'ai cru connaître mes enfants. Mais en fait, pas du tout. Tu n'étais pas occupé à faire tourner l'univers? Si seulement c'était vrai. Mais non. J'étais occupé à jouer de sales tours à tout le monde. Et maintenant, c'est l'heure de l'addition. Ouais, ouais. Triste. Défi. Est-ce qu'elle a des... Genre des animations parce qu'il fait froid? Je vais juste attendre une seconde. Ah, peut-être qu'on va rencontrer des nouveaux monstres aussi. Genre, elle a pas des animations parce qu'il fait froid. Il y en a qui ont ça. Qu'est-ce qu'il fait l'autre avec son casque? Avec son... Putain, pas son casque, son bouclier. Bon. Oh ma fuck. Eh les mecs! Ça va? Voilà.
Ah, le bruit des pas dans la neige. Sympa. Partout. Qu'est-ce qu'on fait? On fait directement le pic où on se balade. Moi, je dirais qu'on se balade un peu. Ça a l'air marrant ici. Salut. On vient en... Bah, pas en paix, en fait. Ah, j'ai loupé mon. Oula, t'es méga bien. Tous les dash est bloqué, mais. Ça va pas vraiment donner l'effet voulu. Instinct. Ah, j'ai envie de dire dans un sens sévère. Peut-être l'équiper, ça change un peu. Du coup, on devrait mettre celle-là. Et pour l'arc. L'arc, on a blanc, on n'a pas vert. Voilà, pute. Mais... Allô? Je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est un peu étrange. Ok. C'est sympathique ici, j'aime bien moi. Coucou. C'est un peu abusé parce que je peux complètement arrêter mes actions en fait. Quand je fais les attaques divines. C'est un peu puissant en fait. J'étais en pleine animation de combo. Tant pitié. Et on s'est retrouvé avec... Enfin, j'ai complètement annulé l'animation et j'ai fait une attaque divine. On a toutes les variantes de cette catégorie. Cette hache attire le héros vers le côté sombre du Cléo qui se réjouit des cris d'agonie du sang versé.
Sans pitié. Pas mal. En blanc. On a les deux. Si on a les deux, oui. Non, on n'a pas les deux, donc on reste en vert. Celui-là que je détecte, ouais. Il faut une boule. Ah merde, ok, j'ai compris. La boule, elle doit être tout en haut. Attends, t'es un chemin aussi long pour... pour une armure? C'est pas intérêt d'être un skin, hein. Ouais, non, c'est bien ça. Alors du coup moi je fais comment là? Bon. Et on va pas jouer avec Thune tout le temps. Ça a l'air de bien fonctionner pour le moment. Peut-être trop tôt là. Non, c'est bon. Yes, nickel. Ah là, faut que ce soit une nouvelle armure là. Cool. T'as même pas fait toucher, je crois. Venin. C'est en rouge. Ça, ça peut être pas mal. Quand on aura la variante rouge de notre armure de divine, ça peut être pas mal. Et pas loin. On va faire la faille. Alors on va juste plonger dedans.
Bah, juste directement plonger dedans, parce que au bout d'un moment. Je veux bien combattre pour les coffres et tout, évidemment, parce qu'on en a besoin, mais. Oh, mais c'est des bonnes failles. Ça fait un petit moment, on a beaucoup de failles de combat. Là, je suis content, ça. Je me demande si c'est parce que on. Le jeu devient en théorie plus difficile, mais. Oh la pute! C'est marrant, on récupère plus de vie quand on tape. Merde, je crois qu'il allait. J'ai cru qu'il allait se mettre en boule là. Mal fait mes enchaînements. Toujours. Putain de merde. Pourquoi je fais toujours le marteau? Espèce de saloperie quoi. Ah, j'étais trop près les gars. J'ai pas utilisé de potion, c'est pour ça aussi que... On a un peu plus lutté, mais honnêtement, on a tellement de réserves que je devrais complètement... Enfin, je devrais les utiliser tout le temps. Hein. Osef, hein. À la limite, même celle de défense, quoi. J'ai envie de dire. Allez, par contre, c'était ça que je voulais voir. Bon, déjà, on en a dit ça, et ça, là. Ah, lors d'un coup fatal. Non, c'était pas quand taper. Ah, non. Je sais pas, je crois que c'était quand taper en fait. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, plus d'économie. Plus d'économie de potions, sert à rien. En plus, on en a besoin que d'une seule pour tout défoncer.
Alors, par contre, on en a 10. Est-ce qu'on a, du coup, la couleur de l'armure? Yes. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut se téléporter ici? On peut pas se téléporter ici. C'est pas grave, on refera le tour. Parce que moi, je veux la couleur. C'est pas grave. On se remettra un pont, là, et on sautera. Je vais un peu changer ma couleur verdâtre, là. C'est pas top, top, quoi. Alors, fais voir. Yes. Terminé. Alors, fais voir la prochaine. Ouais, ce sera bleu-gris. Ouais. Bleu-gris, ça n'a pas l'air top. Honnêtement, je sais pas qui a fait les couleurs, mais j'avoue que la couleur sur l'armure divine, c'est un peu de la merde. Hein. J'ai l'impression que celle de base, c'est vraiment la meilleure. Alors, casque de Providence divine. Donc là, on avait brillance divine, ailée d'apothéose, et là, c'est Providence. Allez au temple, demandez la faveur des dieux, avec un peu de chance, ils béniront vos aventures. C'est celle-là. Providence, il est clair que les dieux sont avides d'intervenir, espérons que cette armure, fruit de leur effort, est robuste. Ah là, ça fait bien, ça fait Spartan en fait, en plus. Ça fait un Spartan. Mais ouais, j'ai l'impression que celle-là, c'est vraiment la meilleure. Celle-là, elle est bof bof. Celle-là, elle est bien aussi, mais au final, j'ai envie de dire que celle-là reste la meilleure. Ok, donc maintenant, on est tout en rouge. Donc, faut que ça soit assorti. Alors, on avait ça, venin en rouge. Venin en rouge, ça peut être pas mal. On l'a utilisé, ça on l'a utilisé déjà, j'ai pas envie, ça va pas faire bien. Ah, on va faire venin en rouge. Pour ça on peut création, c'est pas mal en rouge. Et là on peut prendre celle qu'on avait débloquée de vainqueur en rouge. C'est pas le même rouge. Enfer. Ouf. Celle-là. Prémonition. Prémonition, c'est pas mal. Celle-là, elle est jolie, hein, mais c'est plutôt rosé, en fait. Oh, quoique. C'est quoi qui est censé aller avec celle-là, là, avec éternité? Non, éternité. On change le. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah, mais c'était éternité qu'il fallait changer le skin. Donc, nous, on utilise le marteau de l'ombre de cristal. Et on a dit qu'on prenait celle-là. Ensemble de haches du côté sombre, c'est quoi le nom? C'est la brise oubliée. Risque. Bon, on va garder ça. Parce qu'elle est jolie avec le pommeau, la garde. Surtout la garde, elle est jolie. Après, il y a celle-là qui est sympa, mais elle est un peu banale. Genre la garde et tout, le manche. Celle-là est plus jolie quand même. Hein. Elle est très jolie. Très détaillée. Celui-là, elle est beaucoup moins jolie aussi. Ouais, non, on va prendre ça. Bon, bah voilà. Est-ce qu'on change les ailes, du coup? Est-ce qu'on met des ailes un peu rougeâtres? Peut-être, ouais, les ailes ardentes, ça peut être pas mal. Voilà. Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, ferme ta bouche. Ouh, ferme ta bouche. Merci. On est devenu un dieu rouge, tu vas pas nous faire chier. Hein. Défonce la gueule. Le héros qui devient vénère. Ah mais... Hein? Au bout d'un moment,
bout d'un moment, faut apprendre à plus parler. Genre, hop, tu fermes ta bouche. Voilà, par contre, on a le style. Là, j'aime bien. Là. Celles ardentes. Nickel, nouveau pouvoir. Pas un nouveau pouvoir, façon de parler. Eh, le style, hein, c'est un pouvoir. Il y a un jeu qui me manque un peu, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, c'est The Long Dark, parce que là on est dans la neige et tout. Et j'avoue que The Long Dark, ça me manque un peu d'y jouer, j'aimais bien. Mais bon, on tourne un peu en rond au bout d'un... Ça va faire 4 ans je crois, ou 5 ans que j'y joue. Et j'ai une sauvegarde où j'avais fait où j'ai fait genre quasiment ouais, toute la map quoi. Et je l'avais ressorti. Oh, y a un puzzle là. Ah putain. Oula, vous me gavez tous. Je l'avais genre j'avais commencé, c'était même, je crois que j'ai plusieurs saisons, je suis à la saison 5 ou saison 6, un truc comme ça. Et là c'était la troisième saison où qui était la plus aboutie. Je me rappelle. Tu veux que j'embrasse tout? Non. Paf, mettre du feu partout quand même. Si. Et une fois après avoir fait quasiment toute la map et tout ça, enfin non, pas quasiment, avoir tout fait la map, j'ai envie de dire. Du coup j'ai arrêté, après on était passé une saison 4 je crois avec des mods et tout ça, une nouvelle aventure et tout. Mais j'avais gardé la sauvegarde à saison 3. Et oh, c'est un jeu. D'accord, ok. Ok, ça marche. Attends. Je sais pas comment ça s'appelle. Machin de... Ouah, il est rond, là. Ok, alors là, il va essayer de me bouger. Est-ce que les diagonales fonctionnent? Mais je suis mauvais à ce jeu, moi. Ah, personne gagne. Je suis très mauvais à ce jeu, moi. Et du coup, j'avais mis donc ma saison 3 en stand-by. Et après, ils ont ressorti genre... comment ça s'appelle ? Genre une map, un morceau de map en fait, ils ont rajouté. Et du coup, j'avais repris la saison 3, je crois, c'était dans la cinquième saison, un truc comme ça. Du coup, c'est une vieille sauvegarde en fait qui est remis à jour. Non, mais là j'ai perdu encore. Comment on fait pour gagner dans le jeu?
En plus, c'est pas tout con. Genre, vous commencez d'une façon, vous êtes obligé de gagner. Mais là, il va me bloquer, c'est débile. Ah non. Là, normalement, j'ai gagné, là. J'ai fait une ligne. Voir, c'est pas ça qu'il faut faire. S'il faut, ça a strictement rien à voir. Je comprends pas. Je comprends pas, ça va m'énerver. Et si on le laisse gagner? Mais je joue contre qui? C'est ça la question. Ah. Oh là là, ça va me saouler. Je sens que je vais couper la vidéo et je vais faire... Ah, regardez, j'ai réussi. Je vois pas en fait ce qu'il faut faire. Je vois pas... Genre j'ai fait une ligne, c'était pas bon. Genre là. Non. Ou alors faut mimiquer. Ça veut rien dire. Genre il faut enflammer ou il enflamme. Genre à l'inverse. Oui, bah, du coup, oui, s'il enflamme le centre, je fais quoi? Ça va être le moment de la pause. Pause magique où j'aurai la réponse. Parce que je vais réfléchir très fort. Donc on est de retour. Donc c'est... Bah oui, mais il faut bien gagner quoi. Et oui, on peut allumer les flèches directement en visant comme ça aussi. Hop. En fait, ce qui s'est passé, je crois que j'avais fait une ligne. J'avais fait une ligne, mais il faut attendre, en fait. Il faut attendre que ça valide. Puis après, moi, j'ai appuyé, vous rappelez, j'ai appuyé, en fait, plusieurs fois à un moment pour réinitialiser le machin et tout ça. Je crois que c'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Il fallait tout simplement attendre. C'est pas immédiat, il faut attendre au moins 2-3 secondes. Bon, bah voilà. Mais bon, j'avais raison. Ouh, armure d'or. Tic-tac-toe. Ça, mon dieu. Tic-tac-toe. Ouh, elle est jolie, on a. C'est sympa.
Là. Plein de trucs partout. Ah. On a fait ça. Il n'y a rien en fait. Oui, on a fait ça, je me rappelle. Avec les plantes là sur le côté. Potentiellement, on va dire. Potentiellement. De la musique en bas. Il doit être là. Un 4, 2, 3. Un 4, 2, 3. On va noter. Parce que je crois qu'on n'a pas trouvé la grande, du coup, on peut pas se téléporter. Un 4, 2, 3. On va voir si c'est ça. 2, 3. C'est ça. Grimpons. On va suivre un peu le chemin. Ah, on a trouvé. Maintenant, vous allez tous payer pour votre stupidité. Donc il y a des mecs ici. Ça fait tellement de... Ça fait tellement de combos, le marteau. Non. Le bouclier, là, la charge d'Athéna, c'est abusé. Chanterai Zeus, chef et plus grand des dieux, qui accomplit et murmure des paroles sages. Fais-moi grâce, omniscient fils de Cronos. Tu serais pas en train d'essayer de me pécho, Prométhée? C'est une citation, Zeus. Détends-toi. J'essaierai pas de me pécho. Ouais, sympa la petite musique ici.
Elle est où là? 128 mètres, c'est celle-là. 128 mètres. 128 mètres en dessous, j'imagine. Ou 128 mètres en haut. Peut-être 128 mètres en haut. Genre sur l'aile. Roi des dieux. Okay. Wow. Vache. Ah, mais c'est la d'accord, c'est la ah statue où il faut regarder. Ça marche. Cool. Parfait. Alors qu'un vent glacé sifflait dans ses oreilles, Phénix contempla l'imposant sommet. C'est vrai que c'est grand. Oh là 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 là. Ah, on n'a pas fini. Hein. Ça va être l'heure de le faire à la souris, ça pute. Donc, regardez pas. Qu'est-ce que c'est chiant. Attends, le truc il disparaît comme ça. Oh là là, je vais trop vite, j'ai l'impression. Ah non mais je vais trop vite avec la souris en fait. Qu'est-ce que c'est chiant. On a le coffre de minuit, on pourrait le faire. Je crois qu'on en a besoin pour les couleurs, non? Bon, je crois que c'est bon. Coffre nocturne. 9 sur 10.
Montez bien toutes les tâches héroïques d'exploration. 9 sur 10. Mais on est à 7 sur 10, fragment de monde. D'accord. On est à 7 sur 10! Ben putain de merde. Je pensais vraiment qu'on était. Bon, par contre, on va désactiver ça parce que sinon je vois rien. Je pensais vraiment qu'on était un peu plus proche quand même. Se téléporter quelque part là. Non. Merde, je vois pas. C'est bon? On peut se téléporter? Après, l'aigle a l'air d'être très haut comparé à tout le reste. Il n'y a que la montagne qui est un peu plus haute. Enfin, ouais, non. Non, j'ai rien dit. Assez haut, mais pas trop. Pas assez, en tout cas. Oh, des aurores boréales. Oh, ce guide. Oh, fait froid. Ne t'en fais pas, Phoenix. Ma passion allumera les feux au-dessus de toi. Cherche-les pour te réchauffer. Il y a moyen de profiter un peu de cette passion brûlante? Bah même si tu étais Adonis, Achille et Héraclès, tous tout nus sur un Pégase en forme d'arc-en-ciel. Rien ne t'arrête, toi. Merci pour la vision de cauchemar. C'est la seule chose que tu auras de cette conversation. Ok. Est-ce qu'on doit faire quelque chose avec le feu, par contre? Ah. Merde. Oh, la hitbox est un peu pourrie de l'arbre, là. Ok, c'était la boîte, là, qu'il fallait. Bon, par contre, s'il y a un peu de gel comme ça partout, ça va être un peu relou. Ça va être un peu relou. Oh mon dieu. Ah ouais, ça va bien freiner notre progression là. Là, c'est pas bon. Ah non, on sent, on glisse. Eh ben putain. Ça risque d'être un tout petit peu chiant. Il y a la montagne. Non, pas la montagne là. Pourquoi ce dégât? Il y a du combat déjà? Mais je suis pas là! Vous faites quoi là?
Ah la pute. Je voulais dire quelque chose, merde. Ah, j'en étais sûr. Je me suis dit, ça a l'air trop simple de monter, de gravir la... la statue. Hmm. Ouais, je peux pas. Il va falloir se jeter sur la statue en fait. Comment je fais moi sans... Ah bah ouais, on attend que ça remonte. Merde, non. Mais il fait froid. Il y a un endroit où il fait moins froid. Ah, ok, comme ça. D'accord. Voilà. Ah, parce que je me suis dit, non, en théorie, ils nous font pas des puzzles où il faut utiliser des potions et tout ça, quoi. Les potions, c'est un peu nous qui les utilisons pour... pour un peu gruger le truc, pour aller plus vite et tout ça, donc ça m'aurait étonné aussi. Je suis dans la merde. Go, go. Comment je vais monter moi? Je sais pas si ça sert à quelque chose d'avoir fait ça. Dis-moi, c'est... c'est un peu relou, en fait. Il est où, le coffre? Sur le pont? Il doit être en haut.
J'ai appuyé sur la touche d'esquive. Des potions en bas. Tout est au max. Peut-être pas dû descendre pour faire des potions. Peut-on faire des potions de chaleur? Genre comme dans Breath of the Wild. Zelda. J'aimais bien ce système dans Zelda avec les buffs et tout. Qu'est-ce que c'était cool. En parlant de ça, il y a aussi Valheim. Il y a un truc là. Il y a aussi Valheim qui fait très bien les nourritures, je trouve. En train de faire quoi? Le feu? Le feu. Il y avait quel jeu qui faisait... qui avait aussi le même système de buff avec de la bouffe, mais c'était mal fait. Je me rappelle pas. Je sais plus. Mais ouais, Valheim est aussi, c'est très très bien, je trouve. Ce système de nourriture, là, qui augmente la vie et l'endurance et tout. Vraiment cool. C'est joli en rouge, là. On a le casque et le plastron. Très très bien. Puis après, on a... Ouais, ouais, Zelda faisait ça aussi très bien. C'est vachement sympa, en fait, de pouvoir se buffer comme ça. Faut que ça dure longtemps. Où est-ce que je vais là? Ok, l'heure de regarder la carte. Et on a une faille juste derrière nous. Elle est où exactement? Là. Ça doit être derrière la montagne. Merde. Ça doit être derrière la montagne. Là, c'est plus une information. Là, c'est... C'est un regret, là. Non, pas ça. Au cours de son trajet périlleux, Phoenix fut victime d'une embuscade. What? Je ne peux pas les affronter tous et battre les Hirons. J'assure tes arrières, Phoenix. Le cri de guerre d'Arès
te réchauffera les sangs. Ok. Ouais, mais genre, il nous a buffé, quoi. Mais ils sont pas très puissants. Ouais, est-ce que t'as le froid, t'as Aphrodite qui nous aide. L'embuscade, t'as Arès qui nous aide. Ouais, c'est marrant. Comme si on avait besoin d'aide, quoi. Par contre... C'est quoi toi? Qu'est-ce qu'il y a là? On peut passer par là. En bas. Ah. Une entrée. Oh. Moi, il faut que je fasse une petite pause après. Hein. Ça me commence à me saouler un tout petit peu. De puzzle en fait. Pas la montagne, je pensais qu'elle allait être fun et tout, mais bon, au final, bon. Avec le froid, zéro loup. Vas-y, dis-moi que c'est une arène. Oh putain, c'est pas grave. Maîtrise de la force d'Héraclès. Oh merde. Oh, super, j'en étais sûr. Je me rappelle la toute première fois qu'on avait vu des chaînes qu'on pouvait briser, j'ai essayé de rattraper le truc, mais c'était pas nécessaire. Rattraper la boîte ou je sais pas quoi. Je fais de la merde. Non, attends, on a... 3 boîtes, il y a 4 choses, ah, fait chier. Ouais, je crois qu'on peut les attirer de l'autre côté. Depuis de l'autre côté, il va falloir tous les attirer les uns après les autres. Par contre, si c'est du léger, on peut peut-être utiliser notre double. C'est du léger, on devrait être bon. Non, c'est trop loin. Tu vas me dire que c'est trop loin ?
bouge pas. Putain, panique. La panique. Bonne panique. D'accord. Je pense qu'il y avait un peu plus difficile comme épreuve quand même. Ah, j'ai pas regardé s'il y avait des coffres, merde. Oh, il y en a deux en plus. Bon. Au moins, ils sont tous les deux en hauteur. Ah non. Ne me dis pas qu'il faut attirer ceux de derrière. Il est pas tombé. Si si. Putain. Si si. Donc je l'envoie où exactement ? Après, on n'est pas obligé de l'envoyer. Je peux aussi jouer normalement. C'est pas grave, on a une barre de vie, c'est pour l'utiliser. Non, il faut la grosse boîte. Sans déconner. Sans déconner, il faut la timer. Genre, je la balance sur la caisse, sur le l'ascenseur. Ah non.
coup, il me faut l'autre. Oh mon dieu. Mais là, je vais pas pouvoir y aller. J'ai aucune idée si je fais ça bien en fait. Genre dans la façon dont veut le jeu, mais comme d'habitude, un temps que ça passe, c'est bien. J'ai envie de dire. Ah par contre là je suis dans la merde. Ok. Ah, si. Si. Bah, alors là, je vois pas là. Aïe. Ah, putain de merde. Après, si je fais ça. Voilà. Oh. Non! Ça passe? Bizarrement. Ça passe bizarrement. Oh mon dieu. Tu veux que je détruise les trucs, c'est ça? Que je fasse tomber cette caisse? Ah, tu veux que je marche sur les caisses? Ouais, non, mais ça va en fait. Parce qu'il me faut une caisse là maintenant, par contre. Et évidemment, il en faut au moins 3. C'est 22. Non, par contre, je peux pas les attirer si je me prends des pics. On est bon alors. Ok, 1, 2, 3. Hop. On est bon. Oh. Oh.
Eh ben. Cette faille me donne envie d'arrêter, quoi. Après, il nous en faut un deuxième. Me dis pas qu'il faut des caisses. M'étonnerait quand même. Eh ben, nique-toi. Faut que j'aille en récupérer une là-bas. Oh maman. Du coup, il faut que j'en reprenne une pour faire un sol. Oh mon Dieu. Super. Après. Attends, peut-être que j'ai de la chance vu que les boîtes en bois sont pas complètement cassées. Faut l'envoyer plus loin. What? On a fait cette faille pour que les gens comprennent bien comment la force de mes deux fonctionne. Hein. Juste au cas où que les gens n'avaient pas trop compris comment ça fonctionnait. Alors on a mis des caisses, mais plein. Et puis à chaque fois, il en faut encore plein pour avancer. Trop bien. Vraiment trop bien. Je vais me faire écraser. Hmm.
Aïe 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 aïe. Je vais pas la trimballer sur les épaules parce que j'ai peur de tomber. Enfin, en passant par les deux pieds, on va faire comme ça, hop, comme ça. Voilà. J'ai pas envie de faire transition à pied en fait. Ah oui, là on est. Attention, faut pas la faire tomber, hein, sinon on recommence tout. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça va être relou pour la faire passer. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça va être. Ah, quoi que non, en fait, pas trop. Je la prends, je la pose direct. Parce que quand on la pose, elle risque rien. Eh ben putain, on le mérite ce coffre. Oh la vache. En plus là, il n'y avait aucun moyen de gruger quoi que ce soit. Yeah. Putain, c'est ouf quoi. Bon après, il est joli celui-là. Pour sa mère devenir l'avatar du châtiment sans fin, est-il bien nécessaire de la revêtir? Ça m'a fatigué mentalement, j'ai envie de faire une sieste. Voilà, on va arrêter les... On va arrêter les failles pendant un petit moment. Oh putain, je peux pas monter. Bon, j'avoue, oh là, cette montagne, c'est la galère. Oh là, ça m'a saoulé. À allumer un là-haut. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a. Non, mais à côté du feu, on a chaud de toute façon. On risque rien. Alors. Merde, attends, c'était où? C'était juste là. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais on a, j'ai l'impression que ça c'est une... avec des cercles, avec des anneaux là.
quoi, c'est une grotte. Pas du tout. Oh, un Pégase de couleur. Liptylon. Il en faut beaucoup pour étonner les habitants de l'île d'Or, mais lorsque ce cheval coloré ici est montré, il est devenu une attraction touristique. J'avoue que... ouais. D'avoue, c'est marrant. Avec des ailes colorées. Et soudain, des monstres apparus. De l'action. Ok. Du frisson. Arrête, Prométhée, non. N'essaie pas de me remonter le moral. D'abord c'est gênant, ensuite ça sert à rien. C'est gênant et ça sert à rien. En train de me demander si on va pas aller au sommet, enfin, pas maintenant, sûrement de l'épisode prochain. Et on finira la zone plus tard. Ça me gave un peu, en fait. Je crois que la torche c'était juste pour nous réchauffer en fait. Pas aller très haut. Non mais là on va mourir. C'est là, ça c'est du froid ça. Ça c'est du froid gros, qu'est-ce qu'on fait? On va tout droit. Ouais, c'est trop de puzzle à provenance, ça gaffe quand même. Puis c'est vraiment pas pratique de se balader sur cette montagne. Mais bon, on va y arriver, hein. Phoenix était résolu à atteindre le sommet. La vue du pic lui donna de l'espoir. Non, c'est pas intéressant. Je ferais mieux de passer. Prométhée, avance. Raconte-moi l'histoire. Ah merde! On a encore une. Ah non, j'étais à 20 sur 20, désolé. Bah, j'ai zappé la cinématique pour rien.
strictement rien. En plus, c'est un peu chaud de voir le chemin, en fait. Des fois, il est bien, puis après, il... c'est plus ou moins n'importe quoi. On a des torches. On a une torche éteinte là. Je vois pas. Oh là là, c'est sans déconner. Genre ça, je sais pas si, ça, si on peut l'utiliser pour allumer. Ah oui, on peut. Non, ça, ça a marché. Ça a marché. Par contre, la question, est-ce que ça servait à quelque chose? Ah, voilà. Je sais pas. J'ai envie de dire, je suis pas devin. J'essaye de voir s'il y a quelque chose en face. Le problème, c'est qu'il y a des torches un peu partout pour nous permettre de reprendre de l'endurance. Alors du coup, c'est pas pour des puzzles ou quoi que ce soit. Bien. Le 3, 5. Il manque 5 boules. J'imagine même pas ne pas avoir autant de pouvoir qu'on a là, genre énergie au max et tout, c'est une putain de catastrophe. Prends-la, prends-la. Ah, attends, et sûrement on l'envoie là, ça va faire quoi? C'est tellement rouge, je vois rien. Ah là, en bas. Ok, ça marche. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ça fait quoi? Ah! Ah.
crois qu'on est bon. Il a pas tout. Oh. Cristal violet, cristal violet. C'est à rien, mais c'est violet. Ah, je savais bien qu'on l'avait. En fin de compte, qui a transformé Callisto en ours ? Hera, Artemis ou toi ? En gros, toutes celles et tous ceux qui couchent avec moi terminent avec une vie lamentable, sur le long terme. Parce que, sur le moment, c'est le feu d'artifice. Tout le monde est content, tu peux me croire. Merci pour cette information. D'accord. Ouais. Maintenant, la question, c'est où est la route ? Oh mon dieu. J'ai pas voulu prendre une potion, je me suis dit ça va aller. Ça va pas aller. C'est ça la suite? Non, c'est pas ça la suite. Non. Ben, on est monté, nous, pour faire notre puzzle, là, donc. En théorie, oui, je dirais qu'il faut redescendre pour retrouver le chemin normal. Là, avec des lampes et tout, ça a l'air d'être bon. Je crois. Pendant des semaines, ouais, j'ai fait la fête avec Hadès alors que le monde était en feu et que mes enfants avaient besoin de moi. Je n'ai jamais été là pour Hera. Tu avais l'esprit très occupé. Je ne sais même pas où elle est en ce moment. Oui, c'est... triste. Désolé. Ça. Eh ben. Attends, là on est où exactement? Oh, comment ça fatigue! Oh mon dieu! Donc là. En contrebas, l'île d'or semblait presque paisible. Ne t'arrête pas pour admirer la vue, Phénix. Tu y es presque. Allez, il faut battre l'Iguiron. Oh là là. Il y a un coffre en bas. Il y a un coffre juste en bas.
Ça veut dire qu'il faut tout redescendre. J'en peux plus, moi. Dis-moi que c'est une arène, s'il te plaît. Oh putain de merde. Oh non. Sans déconner. Dis-moi qu'il faut juste pas être con et choisir la bonne caisse quoi. Pour avancer, sinon on se prend des pics. Dis-moi que je veux juste ça tout le long. Genre caisse solide ou caisse molle, voilà, c'est je veux ça moi comme comme faille. Je vois pas le deuxième coffre. On va avancer un peu. Ah d'accord. Pourquoi je me fais chier, voilà. Pourquoi je me prends la tête? Par contre, moi, je veux savoir où est l'autre coffre. Bon, déjà, il est pas en arrière. Ah, je crois que j'ai timé au bon moment, quoi. Ça nous servira à quoi, ça? Genre, ah, si jamais on n'a pas... On peut pas double saut? Enfin, on sait rien. Puisque j'en ai à foutre de la caisse en bois. Bien joué. Yeah. Par contre. Oh merde. Bon, c'est pas terrible, mais c'est pas la joie non plus, quoi. C'est pas terrible. Non, c'est la merde par contre. Oh, on a envers maintenant. On peut mettre le machin vert là. Non, Spider-Man là. Bouffon vert? C'est pas le bouffon vert.
gobelins. Je sais pas. Machin vert dans le vieux Spider-Man. Ah, vous débrouillez avec ça. Comme description. On va en consommer un des... Est-ce qu'on peut s'attirer nous-mêmes? Non, on peut pas s'attirer. Ça, ça va découler ça par contre. On va en consommer des potions. Moi qui vous le dis. Là, j'ai pas envie de me faire chier. Pour une fois que c'est des potions de vie et pas des potions d'énergie, ça va. Ah, on peut casser les arbres. Oui, non, enfin on peut casser les arbres depuis le début du jeu quand même. Bon, c'est pas très surprenant au final. J'ai envie de dire. J'imagine en haut. Ouais. Au sommet. Enfin, on n'a rien accompli de très spécial, hein. Juste que c'est fait quoi. On a récupéré une ambroisie. Bon, on va faire ce coffre là. Ah oui, c'est le coffre que j'avais vu tout à l'heure. Et après, on va se casser ici. Je suis pas esquivé pour je sais pas pour quelle raison. Un peu la gueule que ça. Blanc comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, si on part du mont, est-ce qu'on peut se re-téléporter? En fait, j'ai pas vraiment envie de partir du mont, j'ai juste envie d'arrêter là. Ouais, parce que non, laisse tomber les téléportations là. Non, c'est trop chiant, on va se téléporter là sinon.
Non, c'est trop long. Comme ça, on continue à faire le tour, là. Petit à petit, on fait tous les puzzles. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'est... Le mont, il est pas fun, j'ai envie de dire. Il est pas extrêmement fun. Ah bah tiens. Défi principal accompli. Mais bon. Ça va. On y arrive, mais voilà. C'est pas le plus excitant non plus, quoi. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.